Ce n'est pas le 10 escompté. Mais elle est première quand même. Ce n'est pas le 10 escompté, mais elle est première quand même. Mais il va tout de même. Oui. Natalia Lipovskaya. Et Yanina Batyrshina. Oui, cette compétition n'est pas terminée. Oh. Si Elena avait obtenu le 10 là, c'était quasiment fait. Oui. Mais là, il y a encore de la marge car il y a le 9,975 qui est possible exact. et le 10. Il y a tout de même deux notes qui sont possibles et c'est. Nous n'allons pas trop vous embarrasser de considérations de chiffres, mais c'est important car les juges se réservent une marge, une soupape de sécurité pour éventuellement noter plus haut soit Natalia Lipovskaya, soit Yanina Batyrshina, qui dans ce cas viendrait coiffer Elena pour le titre mondial. C'est-à-dire que jusqu'à la dernière concurrente, mon Dieu, nous ne serons pas fixés sur le résultat final. Almudena Citostado, la numéro 1 actuelle de l'Espagne. Très belle gymnaste, une superbe morphologie, un sourire merveilleux pour les juges également. Et alors une maîtrise technique parfaite. Acrobatie sur le lancer du ruban. Très bien.